Salut toutes et à toutes et bienvenue sur Satina Foot pour cette nouvelle vidéo consacrée au Sili National U23. Du 16 au 30 janvier 2023, les U23 de la Guinée sont en regroupement dans le cadre des préparatifs du troisième tour qualificatif de la CAN U23 au Maroc en 2023. Mais avant de se plonger au fil du sujet, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, ça me ferait plaisir. Allez, c'est parti pour la vidéo. Pour cette mise au vert, Morlaye Cissé, le sélectionneur de l'équipe guinéenne, a fait appel à un groupe de 21 joueurs qui évoluent tous en Guinée. Ce lundi, le Sili Espoir a effectué sa première séance d'entraînement sur la pelouse du stade 28 septembre de Conakry. Et voici les 21 joueurs convoqués. Dans les gardiens de but, on a Sekou Camara de Renaissance FC, Ibrahim Sissoko du CI Kamsar et Mori Keita fait le star. Et en défense, on peut constater Mohamed Boké Camara du Renaissance FC, Mohamed Sherif Camara du Afia FC, Morsire Camara de Flamme Olympique, Bangali Sissé du Sohar Academy, Ousmane Pape Conté du Sohar Academy et Sekou Omar Silla de Wakiri Athletic Club. En milieu, nous avons Boubacar Ba du CI Kamsar, Fodé Camara du Oré Athletic Club, Mohamed Lamine Camara du Sohar Academy, Alpha Omar Diallo du Satellite FC, Fodé Gaussou du CI Kamsar, Abdourahman Kaba du Afia FC. En attaque, on a Alseini Palmer Camara du FC Séquence, Ousmane Kondé Milo FC, Saran Mahmoudou Kanté du FLO Star, Mohamed Keita du CI Kamsar, Alseini Souma du Oré Athletic Club et Aboubakar Sidiki Touré du AS Kaloum. Et voici le calendrier des matchs amicaux du Sili National U23. Tous les matchs amicaux seront face aux équipes de la Ligue 1 Guécopresse. Ce mercredi 18 janvier 2023, le Sili U23 va affronter le Sohar Acre Academy de 16h au stade 28 septembre. Le lundi 23 janvier 2023, le Sili U23 va affronter l'AS Kaloum de 16h au stade 28 septembre. Le jeudi 26 janvier 2023, le Sili U23 va affronter le Afia FC 16h au stade du 28 septembre. Dimanche 29 janvier 2023, le Sili U23 va affronter le Oréa Athletic Club, le champion en titre, 16h au stade 28 septembre. Concernant les entraînements, l'équipe U23 va effectuer 2 séances par jour, sauf les jours de match et les dimanches. C'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker si vous avez bien aimé la vidéo. Mais pour le moment, profitez des vôtres et prenez soin de vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao.